cette semaine, on continue de battre nos records. Comme j'ai pas la semaine dernière, on a battu plein de records, puis ça continue encore en ce moment. Depuis la date de publication de ma dernière vidéo, on a eu 40% d'augmentation d'active user. On va dépasser notre objectif de vente du mois de décembre, d'après moi, la semaine prochaine, donc même pas la moitié du mois de décembre. Ça va super bien. Comme vous pouvez voir, cette semaine, je suis à Los Angeles pour une autre application que j'ai. J'en profite aussi pour faire dans le fond, un peu de la prospection et d'évaluation de marché pour Needcar, mais je suis ici pour l'autre application que je parle un peu moins. Par contre, on est en train de regarder vraiment avec Ponycar aussi s'implanter. La Californie est une belle place, représente 33% du marché des lave-autos des États-Unis au complet en un seul État. Il est plus populé que le Canada entier et juste Los Angeles a 120% de la population de la province de Québec. Donc, on regarde pour peut-être la fin de l'année prochaine ou en 2023, s'implanter en Californie. Donc, j'en profite du même moment pour du voyage pour regarder pour ça. Et cette semaine, notre priorité, vu qu'on a beaucoup d'acquisitions, ça va être d'optimiser les campagnes pour payer beaucoup moins du clic. On veut se rapprocher encore de plus en plus à du 2$, vraiment le coût d'acquisition. Et en ce moment, ça a remonté un petit peu parce qu'on a fait des nouvelles campagnes de nouveaux assets, de nouveaux créatifs. Donc, c'est normal que notre coût par acquisition augmente. Mais là, on va revenir par le rebaisser pour aller autour de 2$. Donc, c'est vraiment notre priorité. Et aussi, toutes les campagnes de rétention pour s'assurer que toute la masse de personnes qui sont venues, en fond, qui ont essayé Needcar, a essayé le lave-auto. Parce qu'en ce moment, on a vu que notre conversion, qui est le nombre de personnes qui a téléchargé, le nombre de personnes qui ont été au lave-auto a diminué, ce qui est normal parce qu'il y a des gens qui ont téléchargé l'application mais qui ne l'ont pas essayé. Donc, c'est vraiment là-dessus qu'on va travailler cette semaine pour s'assurer que ces gens-là essaient l'application. Donc, ce n'est pas plus compliqué que ça cette semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire, ça me fait toujours plaisir de vous parler.